Bonsoir Estelle. Bonsoir Mohamed. Tabarnak, voilà qui sonne très québécois, c'est la dernière création du Cirque Alphonse. Oui, tabarnak, c'est un juron québécois qui fait allusion au tabernacle d'église. Alors cette troupe qui nous vient de Lanaudière, région perdue dans les bois au Québec, nous propose une messe déjantée avec un baptême, vous allez le voir, qui est très éclectique. Voilà, c'est une drôle de façon de se faire baptiser. Ils détournent les bancs, les vitraux de façon peu orthodoxe, nos circassiens québécois. Parfois, ça tourne même au soufi avec des tenues tricotées. Côté main, on chante, on danse beaucoup dans ce spectacle. Oubliez les sermons ennuyeux, on sort le machinois, on multiplie les acrobaties et ils jouent même au hockey, évidemment, hein, nous sommes au Canada. Alors l'ambiance est très festive, c'est un peu la marque de fabrique de ce collectif qui se produit jusqu'au 9 juin à Bobino à Paris. Ils sont en tournée, vous l'aurez compris. Pascal Achard et Rémi Lescaut ont rencontré les cofondateurs de ce cirque québécois. Ils sont frères et sœurs. Ben, je pense qu'on pourrait dire que c'est un clan. Les copains se sont greffés aussi à cette compagnie. C'est familial, mais il y a tout le monde qui nous entoure, qui nous suit depuis les débuts. On veut que tout le monde participe à tous les aspects du spectacle. Donc, les musiciens font de la musique, mais sont intégrés dans le cirque. Les circassiens sont intégrés dans la musique. Tout le monde chante. C'est vraiment tout le monde qui est mis là-dedans pour faire un gros mélange artistique. Nous, on vient de la région de Lanaudière au Québec, puis c'est la région où la musique traditionnelle est vraiment effervescente. Tout le monde chante, joue de la musique. Donc, pour nous, c'est vraiment nos racines. Puis le Cirque Alphonse, tous nos spectacles, c'est par rapport aux racines québécoises. Donc, pour nous, c'est vraiment très important. La musique dans le spectacle, c'est un personnage, exactement. Là. Ça fait vraiment partie du spectacle. Hey, on commence avec un 30. Au Québec, l'Église était très présente auparavant. Et puis, on voulait explorer le bâtiment en tant que tel, le lieu de rassemblement. Donc, tout au long du spectacle, on a voulu commencer par le sous-sol d'église, où au Québec, il se passe... Il y a beaucoup d'effervescence dans le sous-sol d'église. Il y a des bazars, il y a des bingos, il y a même des matchs de lutte. Donc, on s'est inspiré de ça. Après, on voulait monter dans l'église, dans la nef, tout ça. Et puis après, pour aller plus vers les cieux. Donc, c'est un peu le fil rouge qui nous a inspiré pour le spectacle. Tabarnak, voilà pour Tabarnak Estelle. Au programme également, Christine and the Queens, de retour avec un nouveau titre, un nouveau look et d'ailleurs même un nouveau nom. Oui, ne l'appelez plus Christine and the Queens, mais Chris tout court. La jeune artiste française a raccourci son nom, le raturant en vert fluo sur les affiches, mais aussi surtout les réseaux sociaux, ses réseaux sociaux, cheveux courts, tenue androgyne. Héloïse Letissier, de son vrai nom, fait donc sa mue pour son grand retour, 2 ans après le succès mondial de Chaleur humaine, son premier album. Le deuxième arrive, il est prévu pour la rentrée, la tournée est déjà lancée, alors pas encore de clip malheureusement, mais on va écouter un petit extrait du premier extrait de son futur album. Je me fais la nique, les mains dans le blouson, tout mon corps me pique, c'est la salaison. Quand ils l'ont de leurs bras, elles rient de bonté. Tic tic tac, ça semble écrit sur le papier. Voilà. Voilà pour Chris, c'était Demander le programme. Merci Estelle pour cette chronique culture. Oui.